Mathieu Bonnemer, l'ancien Lillois, Yanis Taffer. Voilà, c'est bien fait, Junis, pour Yanis Taffer, il va frapper. Première frappe de la partie pour Yanis Taffer. Ouais, qui s'était bien... C'est pas mal, allez, avec Ederson qui a vu l'appel de balle de Yanis Taffer et la bonne sortie de Nico Puybois qui a... La remise de Yanis Taffer pour Chelito Del... Il est passé à travers le défenseur Nîmois. Il y a une solution à gauche, Yanis, mais il préfère la garder. Allez, bateau et marque, c'est bien joué gamin. C'est bien joué gamin. Il est allé sur le pelé ce but de Yanis Taffer. Ah, il se fait tout seul, hein, Richard. Avec de multiples constats à faire, on le voit, voilà. Il est solide sur ses jambes. Il résiste au retour d'un joueur Nîmois, deux joueurs Nîmois. Il profite du compte favorable derrière. Il a juste Nicolas Puybois du pied droit, qui n'est pas son pied... de prédilection. Ludovic Janel, il s'est engagé comme un tambour là un petit peu et derrière eh bien c'est la hargne, la volonté, la niaque de Yanis Taffer qui fait la différence, qui font la différence. Mais vraiment il a le but dans le sang à l'image d'un très... Et Yanis buteur, premier match aussi avec les pros et tout de suite tu marques un but, ça doit être une grosse satisfaction pour toi de montrer tout de suite au coach que tu es capable de marquer des buts. Ouais, c'est clair, ben c'était un bon match là pour mes débuts. Bon, avec le stage de Chine, on a souffert physiquement, mais on a vu une bonne cohésion dans le groupe. Il y a eu du beau jeu, et voilà, score 2-2-2. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Alors, mis à part ton but, comment ça s'est passé pour toi dans le jeu, dans les duels? C'est un autre niveau quand même, le niveau, même si Nîmes joue en Ligue 2. Oui, c'est clair, c'est beaucoup plus physique, parce que là, c'est des niveaux Ligue 1, Ligue 2, donc ça va beaucoup plus vite. Les contacts sont plus rudes, donc oui, ça change, et j'espère ben, m'y adapter plus rapidement. Merci Yanis, félicitations. On redonne bien joué. Ça c'est bien fait, ça c'est superbement bien fait. Allez Yanis, à droite, à gauche là-bas pour Anto Mounier. Oh, allez Yanis. Oui bien mon joué, gars, Yanis. C'est bien joué voilà. Tout ça. C'est parfaitement fait, ce décalage de Yanis Taffer. Voilà, c'est fait la différence. Et on a vu Juni qui est remonté comme une pendule là, et il n'a pas envie de venir perdre ici. Et ouais. La frappe, l'arrêt, et derrière il s'est arraché encore une fois comme il l'avait fait contre Nîmes, Albertville. Le jeune Yanis Taffer. Ça fait 2-1. Pas évident, hein. Ouais, bah, il faut être là, Richard. Et ça, c'est un joueur qui a vraiment du nez. On... C'est bien fait, ça, pour Yanis Taffer. Il est par jeu. Les jeunes, le dernier coup de collier avant la fin de match. Il y a un coup à jouer, là. Il y a un coup à jouer. S'appliquer. Oui, ça y est, c'est bien fait. Allez, Yanis. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Sorti par... Il a contré, a arrêté le jeune Lyonnais. La remise. Oh là, l'arbitre. Ah, il aura pas de pénalty. Il a cherché la faute. Donc pour une récupération de Pierrick Valdivia. Ah oui, super. C'est bon. Allez, Yanis. Troisième but. Troisième but en quatre matchs pour Yanis Taffer. Bien joué, gamin. Ah, mais le caviar de Clément Grenier. Et après, tout le talent pour Yanis Taffer pour finir. C'est vrai que devant le but, il a un talent extraordinaire. Hein. Il est très opportuniste. Et là, superbe ballon donné en profondeur. Et là, il est vite. Il frappe au bon moment. Grégory, il lui met sous le bras, tout simplement sous le corps, voilà, juste comme il faut.